18 avril production présente Kejibara Enjoy Party 1. Ok, salut la soirée personnelle à toutes et à tous. Comme t'as remarqué, c'est le Mimi de Bordeaux, le Kung Patati Sage. T'es égachouffé, toi tu connais de Bordeaux, le Kung Fat, le maître, maître. Ok, le rendez-vous est pris. Hein. Donc, rassemblement et regroupement et déplacement massif pour soutenir notre Kejibara national, le Zora Emporio. Donc, le 23, je dis bien le 23, ce 23 décembre, là, de Bordeaux, le Kung Fat, je serai là. Là, au terrain de la Palmeraie, pour un concert gratuit, gigantesque de Kejibara. Oui, Enjoy Party 1, ça s'est passé. De Bordeaux, le convoi sera là. Ce 23, il y a 23 décembre, au mois de Bordeaux, je serai au concert de Kejibara. Oui, son concert qu'il offre à tous ses fanatiques. On sera là au nord du coupé du Cali. Et je serai là. De l'autre côté de la rivière à Palmeraie, sur le terrain, là, le terrain de la Palmeraie, on sera là pour ce concert-là. On est ensemble, frère. Je te soutiens en ensemble. Ciao, ciao, de Bordeaux, le convoi. Enjoy Party 1. Le Garci. Info Live 08 73 29 06 59 62 57 33. Entrée libre. Yo la famille, c'est comment? J'espère que tout le monde va bien. C'est votre homme servité, Ritor. Ça parle, ça parle, ça parle. Mais c'est Dieu qui nous connaît tous, les amis. Voilà, donc laissez les gens parler. Laissez les gens parler. Vous venez de voir des Bordeaux, non? Où est-ce qu'il vous donne rendez-vous? Où est-ce qu'il vous donne rendez-vous? C'est une histoire de Kejibara, Club Bailly, de Bordeaux, Likoufa, je crois, Ariel Chini, DJ Mix, Safarel Obiang. Vraiment, ce 23 décembre-là, ça va chauffer du côté du grand terrain de la Palmeraie. Voilà. Je vous avais dit que mon de Bordeaux est actuellement en caserne, il est en train de réfléchir à ce qu'il va nous envoyer de nouveau pour vous faire danser, pour vous égayer. Les gens voient ça en amusement. Aïe, 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 aïe. Donc, famille, c'est un peu ça. Donc, j'invite tous les fans de Bordeaux qui sont précisément en Côte d'Ivoire à se déplacer ce 23 décembre-là du côté de la Palmeraie parce que le maître Mélodie, le maître, maître, le maître incontesté et incontestable de Bordeaux, Likoufa, c'est là un gros show inédit. Voilà. Ben, est-ce qu'il faut savoir? C'est l'événement du grand, du boss. Celui-là même qui est en train de faire des exploits et du gros travail sur MC One. Chef Zouk Emporio. DJ Kejibara, le boss du 18 avril, c'est son premier show, c'est son premier événement. Enjoy Kejibara, partie 1. C'est-à-dire, c'est la première édition. Donc j'invite tous les mélomanes, en tout cas. Palmeiras sera très chic deux jours là. Voilà, Palmeiras sera très très chic. Il faut savoir que le 23 décembre, c'est le dimanche. C'est le dimanche. Donc j'invite tous les fans de Bordeaux. Tous les fans de Bordeaux, où que tu sois à Abidjan. Si tu as en Côte d'Ivoire que tu peux te déplacer, il faut te déplacer. Vous voyez, c'est entrée gratuite. C'est entrée gratuite. Au lieu de venir t'asseoir, le maître et maître de Bordeaux, Likoufa, va faire ses mélodies. Tu vas écouter, tu vas danser. Gratuitement. Et c'est De Bordeaux qui fait ça. Par le canal et le biais de la générosité de ce grand artiste-là, Kejibara DJ. Donc, ce sera vraiment du loup, du sale, du côté de la Palmeraie. Voilà. Donc, soyez sereins. Soyez sereins. Ce que De Bordeaux est en train de vous préparer là, c'est Dieu et lui seul qui savent ça. Demeurez sereins. Restez fan de Bordeaux. Et puis, il y a un truc que je vais vous dire, chers fans. Il adviendra un moment dans vos agissements qu'on vous traite de faux fans. J'en ai plusieurs fois été victime et puis ça continue. Voilà, parce que bizarrement, ma façon de réfléchir là est diamétralement opposée à certains fans donc, qui me traitent de faux fans. Donc, prenez ça comme ça. Voilà. Du côté de la Chine, à qui j'ai rendu service à un moment donné, de ma petite vie, si Rito de Charge TV, on dit je suis un sorcier, je suis un jaloux, parce que je ne parle plus du 29 décembre de DJ Arafat, mais que je parle de ce concert. Et de l'autre côté aussi de la famille, De Bordeaux, Likoufa, force à... Non, pas force à De Bordeaux, non, faut pas qu'il mélange les choses. De Bordeaux, Likoufa, je parle de certaines fois de Bordeaux. Comme je suis en train de soutenir, par quelques secondes de phrase, l'album de DJ Arafat, on dit je fais mal. Donc je suis un fou fan, ça c'est pas bien grave. Tout compte fait,
bien d'autres. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mes proches avec qui j'ai commencé, avec qui j'ai voulu aller loin dans ce mouvement-là, m'ont boycotté, m'ont conspiré sur moi. Mais je demeure. Et puis, pour vous dire, demain, j'aurai un nouveau sujet. Voilà, je vais vous présenter deux entreprises qui sont bien, mais qui déconnent aussi. Voilà, je vais vous parler d'elles. Je sais qu'il y a commencé à faire la polémique deux jours là, parce que je vais commencer à titiller un peu ces entreprises là. C'est vrai, vous nous faites bien, mais souvent vous exagérez. Il faut qu'on vous dise les vérités, honnêtement. Donc demain, j'aurai une grosse info sur le showbiz ivoirien, comme d'habitude. Et dans cette même vidéo là, je vais vous donner un choix à faire. Ce sont mes nouvelles séries de vidéos. En attendant, le gros micro trottoir qui commence ce mois de janvier 2019. Donc soyez sereins, soyez prêts. J'ai suivi les conseils de mon père depuis les States. Donc c'est ce que je vais faire. Parce que mine de rien, vous avez envie de découvrir autre chose. Voilà, mine de rien, vous êtes fatigué de Bordeaux, vous êtes fatigué de Didi Arafat, vous êtes fatigué de tout cela. Donc en même temps que je parle d'eux, en même temps que je vais vous donner du travail à faire. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo que j'ai fait ce 15 heures là, il s'agissait de la marque Ivoire, la marque de bière Ivoire et la marque de bière Box 66. Voilà, la célèbre marque de bière 66. Donc je demandais comme ça, j'expliquais un peu les patrons, pour ne pas dire les entreprises qui tiennent ces deux marques de bière là. Je donnais un peu quelques détails, j'ai même donné une information sur De Bordeaux Likoufa, sur son prochain son et son prochain clip qui est en cours. Et puis j'ai demandé comme ça de porter votre choix en commentaire, de me dire de la marque Ivoire, de la bière Ivoire à la marque 66. Quelle est la bière que vous préférez? Et puis selon vous, quand vous sortez, vous amusez et tout ça, c'est quelle bière qui est la plus consommée? Voilà. La bière qui va gagner sera en confrontation avec une autre bière que vous connaissez bien. Mais ceci étant, demain, nouvelle vidéo, nouvelle actualité et vous allez m'aider. Voilà, vous dites que vous êtes fan de mes idées, de ce que je fais. Donc, j'ai vraiment besoin de votre aide aussi en partageant et en donnant vos commentaires. Voilà, parce que c'est très important aussi ça. À l'issue de vos commentaires, que je souvent modifie mes vidéos ou bien j'oriente mes vidéos. Parce que vos commentaires comptent aussi, les amis. Voilà, donc cette vidéo-là, c'était juste une parenthèse, cette vidéo-là, c'est une histoire du 23 décembre de Bordeaux Likoufa. Par mon canal, invite tous ses fans, il a déjà dit en début de vidéo, hein, moi je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Invite tous ses fans d'Abidjan. Et si vous voulez, ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui peuvent se déplacer, c'est gratuit, je vous dis, c'est gratuit. De Bordeaux Likoufa, gratuitement. Si tu veux te déplacer, tu viens. Ce 23 décembre là, du côté de la Palmeraie, du grand terrain de la Palmeraie. Donc j'invite tous les fans du Coupé Décalé, parce que ce ne sera pas Kedjera et de Bordeaux seul. C'est une histoire de Claire Bailly, c'est une histoire de DJ Ming, c'est une histoire de Arel Chene, ça parle au bien. Vraiment, tous les amis de Kedjera seront là pour ce show là. Donc soyez présents aussi pour notre de Bordeaux Likoufa, parce qu'il en a besoin. Comme on dit, découragement n'est pas ivoirien. Découragement n'est pas ivoirien. Les gens pensent enfoncer notre de Bordeaux Likoufa, mais ils seront surpris. Parce que c'est la fin du film qui fait pitié. Oui, c'est la fin du film qui fera pitié. Voilà. Soyez sereins, chef Magnan, chef fan de Bordeaux, soyez sereins. Le combat ne fait que commencer. Et Bordeaux est très jeune. Il n'a pas encore 40 ans. Donc, il a toute sa vie devant lui. Les gens n'ont qu'à parler. On va se battre comme on peut. Mais vous serez surpris d'un nouveau Bordeaux en 2019. Là. Vous n'allez pas croire. Parce que si mon artiste nous dit que clash il fait plus place au travail, c'est que ça a chauffé. Franchement, les concurrents, on parle de clash musical. Il y a Foy, on fait ça en musique maintenant. Pour l'instant, c'est l'histoire de Maman Georgette et Eto Aïe. Maman Nidi et Tiae. Ou bien encore Agaza Gaza Gaza Kourouye Mame Mame Akourouye O Agaza Gaza Gaza. Ici tu loli, ici tu loli, Podalo, oh oh, je m'appelle De Bordeaux Likoufa, je vous ferai danser, je vous ferai bouger,
Agaza o, agaza gaza gaza guru ye mambe. Agaza e, agaza gaza gaga. Voilà, donc rendez-vous ce 23 décembre du côté de la Palmeraie avec notre Bordeaux Likoufa. Il a confirmé sa présence, donc il sera bel et bien là. J'invite tous les fans de Bordeaux, partagez la vidéo pour informer vos amis. Et on est ensemble. Ciao, ciao les amis.